C'est Lupina pour un nouvel épisode de l'histoire des décalientis. On se retrouve avec Bertie qui va tout de suite saluer Edouard puisqu'elle lui a demandé de venir. Alors, on va aller voir Edouard. Coucou Edouard, vous avez voté pour lui. Donc, elle l'a réinvité puisque ça a bien accroché avec lui, tout simplement. Donc on va rester une petite partie avec lui et pour la suite de l'épisode, je vous réserve une petite surprise. Enfin une surprise. Enfin vous verrez. <laughs> Donc ils vont aller là-haut. Hop, voilà, comme des grands. J'espère que les besoins de Bertie, ça va. Moi, je me perds en plus. Ouais, c'est bon, ça va. vous mon cher, nous allons discuter. Alors on va monter notre amitié avec lui tranquillement, on va raconter des petites histoires, euh, se, se renseigner sur sa vie, on sait qu'il joue du violon, donc ça c'est cool parce qu'on va pouvoir en jouer avec lui. Enfin, roleplayment parlant. Je ne sais pas si on peut faire des groupes de musique. Euh... Ah si, remarque, on, peut faire des on pourrait faire un groupe. Ou euh, il... il faille jouer du violon dedans, ce serait sympa. On va lui demander comment s'est passée sa journée, s'il a aimé le bal d'hier. Alors est-ce que tu as aimé le bal, Edouard Mais ben oui, bien sûr, j'ai aimé le bal d'hier. Oui, oui, oui. <laughs> Je ne sais pas trop quoi dire là, puisque on remonte tout simplement l'amicalité. Le... J'ai un problème avec ce mot, hein. L'amitié, ça suffira, loupinat. T'es pas obligé d'inventer des trucs. Je <laughs> suis trop grave. Mon dieu, ce que je suis tarée Bon. On va lui demander... Ah, mais Prout, c'est caché. C'est caché. Oh, il y a Chacha sur l'arbre à chat. C'est bien ce qui me semblait. Alors. Euh... Discuter du meilleur violoniste. Qui des deux est le meilleur violoniste J'ai bien envie de faire un... Un, comment dire. Enfin, ce serait cool si on pouvait faire un, une compète de violon. Mais je pense pas qu'on puisse. Émouvoir aux larmes. Non, on peut pas. Zut. Et si on l'émouvait aux larmes, voir ce que ça fait Parce qu'elle est euh, elle est compétence 10 en violon, la petite Bertille. Ça, c'est cool. Parce que je vous explique, en fait, euh, pour faire le bal, je voulais attendre que sur le week-end. Et en attendant la semaine, bah, je l'ai fait jouer du violon. Voilà. Donc, euh, je m'en suis occupée comme ça. Bref. Allez, vas-y. Il, il s'en va Ah non, j'ai eu peur. C'est un rêve bibliothèque. D'accord. Allez, mouvoie aux larmes le petit. Mais qu'est-ce qu'il fait Mais qu'est-ce qu'il fait lui euh, Sinon tu peux aller tranquillou dans ma chambre, euh, Edouard. Ah, hein oh, on pourrait faire une petite partie d'échecs avec lui. Oh, les chats, vous allez pas recommencer ils se battent mes chats. Donc un coup ils se lèchent, un coup ils se battent. Moi je comprends plus rien. J'ai arrêté de chercher de comprendre parce que ça m'énerve. Voilà, on fait une petite partie d'échecs, Tranquillou. Ils sont bien amis, hein ça c'est cool. Alors je sais pas si ça débouchera sur quelque chose plus tard. J'ai des idées là-dessus, mais on verra. On verra ce que vous choisirez de toute façon. Euh, pour le moment, ils sont amis. De toute façon, ils sont trop jeunes pour, euh, pour des vraies histoires d'amour, hein, parce que moi, dans ma tête, enfin, quand quand on est gamin, euh, oui, j'ai cinq amoureux, machin. Moi, en maternelle, j'avais cinq amoureux. Voilà, c'était absolument débile. <laughs> bon, c'est pas grave. <laughs> la polygamie. Non, c'est même pas de la polygamie, puisque la polygamie, je crois que c'est plusieurs femmes. Bon, bref, vous avez compris. Hein on va pas, euh, on va pas euh, faire le tour de la langue française là. J'ai pas de dictionnaire sous la main. Et l'autre est en train de jouer avec je sais pas quoi. tu T'es débile. Elle est débile. Elle est pas finie cette chatte. Comme sa maman. Ah hein, oui, oui débile. Bon du coup il joue aux échecs. Alors qui a gagné À votre avis qui va gagner Et du coup c'est ouf parce qu'elle est, elle est tellement montée. Oh Bertille dans les trucs là. Alors oui, elle est niveau 13 en coutume des vampires. Je ne l'ai pas mise à fond, je vous expliquerai pourquoi plus tard, quand elle sera ado. En fait, euh, quand elle sera ado, sa mère va, va lui donner euh, le livre, le dernier livre. Je sais plus si je l'avais dit. Je crois que je l'ai dit à l'épisode 1. Mais sérieux, je radote. Hein. Lupina radote, tout va bien. On va rester encore 5 minutes avec le petit Edouard. Alors, qui gagne Bertie avait les noirs, je crois. Allez, moi, je veux savoir qui gagne. Oh, les chats, c'est bon, là Oh, mais je vous jure. Allez, Zouzou. On se dépêche. Ok, donc lui, il sort un pion de nulle part. Elle aussi. <laughs> oh, ces chats, ils ont toujours un truc. Bon, on accélère, parce que, bon, euh, c'est gentil, votre partie, mais il serait temps de finir. Vous n'avez pas l'air de vouloir finir, hein. C'est quand vous voulez. Oh. À votre avis, c'est qui qui va gagner Faites vos paris dans les commentaires. Moi, j'espère que cette série vous plaît toujours autant. Si elle vous plaît, vous pouvez bien évidemment la partager et euh, mettre des j'aime. Bon, bah, je sais pas qui a gagné, du coup euh, personne. Oh non, il s'en va On n'a pas eu le temps de jouer un petit concerto. Ah oh, bah je suis déçue, déçue, choquée, déçue. Remboursé. Bon bah écoutez, euh, il s'en va. Bon, en tout cas, c'était cool. On a bien monté l'amitié avec ce petit. Donc on va, on va pas le retenir. Hein. Écoutez, euh, il est tard. Enfin, il est tard, pas pour les vampires, mais vous, vous avez compris. Donc Bertie, il va aller au cabinet. Elle va... Est-ce que t'as fait tes devoirs Ouais, elle a fait ses devoirs. Donc c'est bon. faudrait qu'elle mange un morceau. Et le chat miaule, mais c'est pas possible. Euh, Léontine est toujours devant ses pancakes. Hein. Je lui ai fait faire des pancakes à je sais pas quelle heure. Elle est toujours devant. Tout va bien. On va aller lui dire d'aller euh, boire le coup de Nancy, là. Vider l'esprit de vie. Voilà, ça me fait trop rire parce qu'en en fait, elle lui fait oublier euh, ses souvenirs. Boire l'esprit de vie, ça lui fait oublier ses souvenirs. Donc, du coup, euh, à chaque fois, euh, Nancy, donne et Dominique ils se réveille en mode oh, Mais qu'est-ce que je fais là Qui suis-je Qui êtes-vous Qu'est-ce qui se passe Et le. Mais t'as fini, toi T'es chiant Tu fais ton intéressant Comme d'habitude Voilà, c'est mon chat teubé, hein. Mais euh, je ne regrette pas puisque je l'ai. Pris en association et ça fait un chat en moins en SPA. Voilà. Et ça, c'est cool. Ah, mon bébé. Ben oui. Quand vous prenez les chats en association, ou les chiens, ou d'autres animaux d'ailleurs, il est possible qu'ils soient, qu soient un petit peu dérangés. Mais c'est pas pour autant qu'il faut être méchant ou, ou le laisser ou l'abandonner ou bref. Voilà. Il faut lui donner une seconde chance et s'habituer à cette petites conneries. Ah, mon chat. Tu vas faire pipi Ben oui. Oui, alors mon chat, euh, quand il est stressé, il pisse partout. Donc il faut le mettre dans sa caisse et lui dire C'est bien mon chat C'est bien, tu fais pipi Voilà, c'est génial. Donc, euh, youhou <laughs> Mon dieu. Est-ce qu'il faut pas faire pour des chats Oui, alors je viens de raconter ma vie, hein, comme c'est pas permis. Euh, c'est génial. Donc, ah super Il y a un plein de nouilles ici, mais c'est dégueulasse C'est dégueulasse Bon, c'était génial du coup, ce qu'on va faire, c'est que euh, je vais tout de suite changer. Changer. Enfin, vous allez voir, je reviens. Et re-méchoucrouloute, comme vous pouvez le constater, on n'est plus avec la même famille. On est avec la famille Garnier, que j'avais honteusement oublié dans l'épisode précédent. Donc, on va jouer avec eux, avec la maman qui est ici, qui s'appelle, je ne sais plus, je viens de passer. Hélène, voilà. Et le petit Raphaël. Donc. Euh, on va dire que Hélène n'a pas pu envoyer Raphaël à temps au bal puisqu'elle avait des choses à faire, hein, ou elle avait peur, ou je ne sais pas, mais elle va venir rendre une petite visite à Léontine avec le petit du coup. Allez Pépette, vas-y. <laughs> Comment elle marche, c'est énorme. Donc, ils ont été créés par... Meggy Rardin, je suis désolée. À chaque fois, je prononce trop mal ton, ton pseudo origine parce que je ne sais pas le prononcer en fait. Et euh, tu t'étais, euh, tu t'es, tu, tu m'avais répondu sur l'épisode 4, mais j'ai oublié ton pseudo YouTube. Voilà, je suis trop nulle. Je suis désolée. En tout cas, les voici, les voilà, et on va aller voir. Donc toi, tu vas aller voir Léontine, hein. tu vas pas, euh, tu, tu vas pas. Tu vas, tu vas directement aller voir Léontine. Léontine Elle est passée où cette morue Ah non, ça n'a pas commencé hein. Elle est là Voilà, donc elles vont se parler entre elles. On s'occupe d'elles. Nous, on va chercher Bertie. On va jouer le petit Raphaël. Il va devenir pote ou pas d'ailleurs avec, euh, avec la petite Bertie. On verra bien où est-ce qu'elle est cette morue. J'ai retrouvé Bertie, elle était cachée cette morue. Obligée de revenir dans la partie pour rebouger. C'est n'importe quoi. Voilà, on va se présenter. Salut Bertie, moi c'est Raphaël. D'ailleurs je vous fais un petit zoom sur le petit Raphaël. Il est comme ça. Oh, je crois qu'il a des, des dents de lapin. Ah, <laughs> énorme. C'est trop cute. Oh Oh quelqu'un a détruit la poupée, mais non, mais ça se fait pas. Ah oh, vous m'emmerdez les adultes, hein. Je suis sûr c'est la mère de Raphaël qui a fait ça. Parce que j'ai dû retourner dans la partie de Bertie parce que je ne la retrouvais pas, et ensuite retourner dans cette famille. Maintenant je n'en trouve plus Léontine, mais bon, bah c'est pas grave. Hein. Voilà donc on va la complimenter. Écoute c'est quand même la future impératrice, alors euh, on a intérêt d'être dans ces petits papiers, hein. Moi j'ai envie de dire on va être drôle, on va discuter des centres d'intérêt. Et puis, euh, Et puis, illuminer sa journée, écoute. Euh, et bien écoutez, mademoiselle Bertie, je suis vraiment navrée de ne pas être venue à votre bal. Euh, je voulais, voulais venir, mais... Euh, J'ai pas pu, mais maintenant je suis là. Eh bah c'est bien, mon petit... Mon petit euh, Raphaël, c'est très gentil à toi de t'être déplacé pour faire ma connaissance, ça fait plaisir. Voilà, ok, donc des gamins ne parlent absolument pas comme ça, mais c'est pas grave. On va de la gueule des adultes quand même, parce que qu'est-ce qu'ils sont cons avec leurs règles de merde. Hein <laughs> euh, du coup, du coup pour la prochaine fois, je viens tout juste de, de réfléchir à ce que vous allez voter, donc vous verrez bien. Euh... On va raconter des histoires, voilà. Donc euh, je à faire semblant, tiens, c'est trop bien ça. Euh, il faut discuter des centres d'intérêt. <laughs> ah la pauvre. Elle est joueuse maintenant, c'est parfait. Ça va, ils s'entendent plutôt bien, hein. ça monte tranquillement. De se moquer des adultes, ça se fait tellement pas, mais bon, c'est pas grave. Euh, parler de son animal préféré. Alors, oui, je sais, il y a des rumeurs comme quoi il y aura bientôt les animaux et blablabla. Bla bla. Vous m'en parlez souvent pendant les lives, euh, c'est-à-dire que je m'en fous. Enfin, je m'en fous pas, mais euh, euh, les rumeurs, les gens qui fouinent dans les dossiers, etc., moi, c'est pas mon trip. Donc euh, je m'attends à rien et quand ça vient je suis contente et si ça vient pas bah, je suis pas déçue. Donc j'attends, on verra bien. Euh, je me prends pas la tête avec ça, donc c'est pour ça que quand vous me dites ⁇ Ah oh, t'as vu l'opina machin bah, ?⁇ je manque de réaction parce que bah, euh, je, je, je m'en fous un peu. Voilà, bon euh, ça, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça là-dedans dans cet épisode, ça n'a aucun rapport. Mais c'est pas grave, c'est en y pensant, euh, bref. Donc on va lui demander comment s'est passée la journée, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui. Moi j'ai invité Edouard, il était bien sympa. Ah c'est cool ça. Et on va l'enlacer, on va voir si elle est d'accord pour être enlacée. On va se plaindre des parents parce que sa mère elle est quand même assez autoritaire aussi. Euh, ils sont pas très sympas hein, quand ils ont pas. Ah euh... oh, ils font un câlin, c'est trop cute. Ah, j'adore moi, ils sont trop mignons. Ils sont trop 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 choux. Où les petits bambinos, hein les petits gradubinos. <laughs> je pense d'ailleurs que quand j'ai une idée, bah, vous voterez en fait. Vous, vous voterez, je vais l'écrire encore une fois. En fait, j'ai des idées pendant mon, mon épisode, donc c'est bien. Euh, vous voterez plus tard. <laughs> je, vous fous, je vous fous le seum à chaque fois de dire ça dans tous les épisodes, je dis ça. Ah oh là là, ça craint est-ce que si on est malicieux, elle va mal le prendre Malice euh, Non. Faire l'idiot, peut-être. Oh non, il est embarrassé. Ah bah non, ça va, je sais pas. J'ai pas trop compris. Non, euh, la, la poignée de main vibrante, c'est peut-être un petit, un petit peu trop violent. Oh là là, mais elle lui fout des gros vents, là. Ah oui, j'ai oublié de réactiver les. Les, les prismes et tout, bon bah je suis désolée parce que je les enlève pour les cinématiques. Du coup, j'ai oublié, là on voit pas les plus et les moins. Bon, bah je suis désolée. Désolée pour ça, on va la complimenter de nouveau. Bon, elle s'entend moins bien avec lui qu'avec Edouard quand même, mais bon. C'est pas grave. Il est quand même mignon. Donc vous allez voter, vous allez voter. Oui, vous allez voter comme d'habitude. Hein. Euh, comme d'habitude sur le petit i, là. À droite, en haut à droite, enfin par là, enfin bref, vous voyez. En haut à droite de votre écran, je ne sais pas si ça marche sur téléphone. Sur téléphone et sur tablette, je ne sais pas si vous pouvez voter. Vous me direz dans les commentaires parce que ça m'intéresse de savoir. J'espère que vous pouvez, sinon euh, je ne sais pas du tout. Alors, faire une référence culturelle. Discuter les centres d'intérêt, il est quelle heure Il est 6h du matin. Ah quand même Citer un personnage du de dessin animé. On va voir ce qu'elle fait, elle. Qu'est-ce que tu fais du coup, ma vieille Allez, ah, est avec Léontine, donc c'est parfait. Bah, écoute, euh, raconte ta vie, complimente sincèrement. Est-ce que vous pouvez faire genre un, un combat d'entraînement vampirique Ce serait pas mal, ça. On peut devenir meilleures amies. Mais bon, Léontine n'a pas de meilleures amies, désolée pour toi, ma vieille. Oh, la pauvre. Bon, on va, on va faire. Après, elles sont très amies, donc elles sont dans le groupe des canines, donc ça va. C'est des blondasses toutes les deux. <laughs> Elles sont vachement mignonnes quand même. Moi, elles sont avec les esclaves, là. Faut pas chercher. Et là-haut, ça se passe bien, du coup. Oh, c'est mûr, j'en peux plus. Voilà. Qu'est-ce qu'ils font Il faudrait euh, qu'il y ait un, un petit jeu... Euh, un petit jeu... Attends, ils vont faire une petite partie d'échecs, hein, pour, euh, pour voir s'il si, euh, si est meilleur euh, que Edouard ou pas. <laughs> ah bah ça va, c'est à la moitié l'amitié, c'est tranquille. Vous y allez ou pas Ouais, vous y allez. Super. Allez, faites une petite partie d'échec. Elle a pas l'air de venir euh, la, la, la Gourgandine là. Bertille, on t'attend. Bon, elle s'en bat les couilles, pardon. Excusez-moi. Euh, elle s'en fout complètement. Elle s'en fout, mais s'en fout. Mais mais c'est une morue cette Bertille, hein hum. Du coup, si tu veux bien te dépêcher, Raphaël. Merci. Allez, zouzou. Bon, bah, on va continuer de monter l'amitié. Ou ouais, est-ce encore un épisode où on monte l'amitié Vous devez peut-être en avoir marre. Hop euh... En fait, j'hésite. J'hésite entre deux trucs. Est-ce que je vous fais influencer sur euh, une relation ou est-ce que je vous fais influencer sur ce qu'on fera à l'épisode prochain hmm... Bon, ce sera encore une relation l'épisode prochain. Je suis désolée. Et après, on refera une activité. Quand je parle d'activité, c'est par exemple le bal. Pour moi, c'est une activité. Voilà. Que, histoire que Bertie sorte un peu. Euh, etc. Donc, sa journée s'est bien passée. Oh, ils sont trop mignons quand ils se font des câlins, les gosses, je trouve. Faire une imitation. Bon, bah, franchement, euh, ils sont plutôt potes aussi. Il hein n'y euh, a pas à tortiller. Donc je pense, je vais pouvoir enfin vous dire ce qui va se passer. Je pense que Bertie, que je, vais, que je vais faire un groupe avec Bertie et Edouard. Et vous allez me dire, vous allez voter, vous allez me dire si vous voulez que Edouard et Raphaël soient potes ou si vous voulez qu'ils soient ennemis. Enfin, genre qu'ils s'entendent pas. Vous allez me dire... Enfin, ennemis, euh, c'est un peu gros euh, pour euh, des enfants. Mais euh, vous êtes... A... Pourquoi elle est en colère oh Sans chaud. Ok. Oh la pauvre elle pleure, attendez on va lui demander de réparer à sa mère. Quelqu'un peut réparer la maison de poupée S'il te plaît répare la maison de poupée là. Parce que déjà c'est toi qui l'as cassée. Et en plus... Euh, en plus ça fera plaisir à la petite impératrice. Et nous on va être dans ces petits papiers. Elle est où Elle est partie. Elle est reparte. Elle vide les poubelles. Ok, qui Bertie donc là tu t'en vas, tu vas vider les poubelles en mode au calme. Euh... Ok, bah tout va bien, hein c'est pas grave. Bon en même temps il fait jour, alors c'est pas ta mère qui le fera. On est dimanche, donc ça c'est bien parce qu'on sera tranquille. Qu'est-ce qu'elle fait Elle a quand même pas foutu ça dans le jardin, elle a à faire tout le tour Mais qu'est-ce qui est qu fou Mais elle est tarée Mais qu'est-ce qu'elle a fait Ok, d'accord. Donc la poubelle est à l'autre bout de la de la maison, que j'avais même pas tiltée. On changera ça plus tard. Voilà, on va discuter. Et toi, c'est bon Tu fais plus de bêtises, n'importe hein, quoi. Voilà, viens t'asseoir ici. Hop. On va encore parler un petit peu à Bertille, et puis on va s'en aller. Voilà, allez, il est temps de rentrer, Raphaël. Zouzouzou. Zou, zou. Il est temps de rentrer. Donc sur ce, je vous laisse voter tranquillement. Donc je vous ai dit, Bertie crée un groupe, soit Raphaël et Edouard sont potes, soit ils s'entendent pas. Ben voilà, je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que l'épisode vous aura plu et salut <music>